Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à plus sur l'épisode de Robocraft. Donc apparemment certains disent que cette mise à jour a tué Robocraft. Bon, donc nouvelle mise à jour, donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses à changer, plein de choses à faire, plein de choses qui ont changé. Oh mon dieu, on a un pistolet, c'est génial. Donc voilà, alors moi j'aimerais retourner sur mon vaisseau, je sais que vous l'aimez pas celui-là apparemment hein. Oh, ils ont changé certaines couleurs, c'est moche. Edit robot. Alors, comment on fait pour le pen tool? Controls. Hop. Paint applicator 2. D'accord. Ok, bah on y va, on va voir ça. Donc il y a un outil de peinture. Ah bah voilà, un outil de peinture en plus. Ok, d'accord, je vois. Donc par exemple, si j'essaie de mettre du blanc sur la tête. D'accord, ok. Je capte. Hop. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, ça n'a pas grand chose à apporter, mais ça peut être intéressant, effectivement. Le problème, c'est qu'on va passer du temps là-dedans. Ok. Pourquoi pas, hein, on peut y passer un petit peu de temps, hein, c'est pas grave. Hein. Certes, c'est pas du gameplay pour vous, c'est sûr, mais... Hop. Redonne-moi le blanc. Ah d'accord, oui, je peux changer plusieurs couleurs, ok. Ouais. Y'a pas tout qui change quand même, hein. Ok, pourquoi pas. Ouais. Ok, pourquoi pas. Ok, donc je peux piquer la couleur, c'est pas mal fichu quand même. Je reconnais que c'est pas mal fichu. Non, pas ça. Forcément, la précision laisse à désirer. Attendez, ce qu'on peut faire? Hop, c'est tout peint en noir. Voilà. En fait, on peut faire les couleurs qu'on veut dessus. Hop. Ah mince, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, c'est compliqué parce qu'on sait pas ce qu'on peint en fait. Voilà. Parfait. Ok. Même les électroplates sont de couleur. Peut-être un petit peu... Je peux peindre tout. Par exemple, si je veux mettre. Tiens. D'accord, ça peint aussi en. Ok, pourquoi pas alors. Tant mieux. Ici, du coup, j'aimerais remettre. Tu pèges. Voilà. Là, j'aimerais retrouver aussi du beige. Même les griffes, c'est cool ça. Hop, voilà.
Ok. Au niveau du dos, on pourrait mettre. Pas ça. Hop. Ah oui, c'est vrai, ils ont aussi enlevé ça. Alors ça, il va falloir que je le règle aussi. Une petite ligne de beige. Hop. Je le trouve stylé. Ben voilà. Il a la classe là, mon aigle. Bon. Bah écoutez, ça c'est pas trop mal. Maintenant, est-ce que ce robot-là, on peut le finir ou pas? Ça pourrait être intéressant. Edit robot. Ok. Alors. Oula, c'est quoi ce truc? D'accord. Je crois que je viens de comprendre. Oh mon dieu. Pourquoi pas? Allons-y. Les jambes. Oula. C'est devenu moche, hein. Soyons honnêtes. Colossus, d'accord, ok. Ok, pourquoi pas, oui, si vous le dites. Hop. Voilà. Est-ce que je peux les mettre là, s'il vous plaît, mes jambes? Apparemment, toujours pas. Ok. Colossus, est-ce qu'elle passe là? Toujours pas. Qu'est-ce qui vous en empêche, les filles? Voilà! Bah alors, voyez quand vous voulez. Ah, ça y est. Alors, oui, devant, il va falloir que je mette des jupes. Je présume. Qu'est-ce que j'appelle des jupes? Mais c'est quoi ce bordel? Ah, il n'y a plus aucun type de cube. Ça y est, c'est la décadence. Alors, je commence à comprendre pourquoi c'est un disque qu'ils ont tué Robocraft. Ce qui était intéressant, c'est de faire le de batailler pour avoir les comment les armes qu'on voulait. Et apparemment, c'est devenu extrêmement facile. Hein. Bah, écoutez, je vais me faire mes jupes, moi. Hein. Ok. Plus le temps que vous vouliez me voir faire un robot, bah voilà, vous avez l'occasion. Par contre, si tu peux te mettre comme il faut, ce serait cool. Ok. Voilà. Faisons les choses bien après tout, hein. Voilà. Alors, la suite, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, déjà ça. Résolvons ce problème. Voilà, le problème d'écart ensuite. C'est pas les bons, c'est ceux-là qu'il me faudrait. Merci. Ensuite. Non, ça va pas le faire au niveau de ça. Faudra qu'on revoie une case plus loin. Hop. Voilà, les jambes, donc. Est-ce que cette fois, vous êtes d'accord? Ok. Ah, ça veut toujours pas, hein. Eh ben, écoutez.
écoutez, on va continuer. Hop. On va bien voir, c'est jusqu'à ce que, hein. Alors, on se calme, hop. Ok. Parfait. Ok. Voilà. Ça c'est très très moche par contre, hein. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est pas trop moche. Ensuite. Crac. Voilà. Ah bla, j'aurais dû m'en douter. Ok. Genre d'avoir de belles grosses jambes. Ok, parfait. C'est fait exprès, vous inquiétez pas, hein, ça va faire des jambes un peu plus mastoc. Ce qui ne nous fera pas de mal. Pourquoi tu veux pas ? Ah oui, d'accord. Ah, et tu veux pas du tout, hein. D'accord, bon bah écoute, pourquoi pas. Il veut pas du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Ok. Pourquoi pas. Ok. Donc là, ça veut pas quoi qu'il arrive à cause de celle-ci. On trouvera, chers amis, ne vous inquiétez pas, on trouvera. Hein. Bla. Ah, c'est chiant, elles sont chiantes celles-là. Hein. Oh nom de Dieu. Dégagez. Alors il paraît qu'il y a certaines lois apparemment sur Robocraft. Attention. Moi, quand j'entends parler de loi habituellement, je m'écarte. Hop, parfait. Voilà, ça fait un robot un peu mastoc au niveau du centre, enfin au niveau des jambes. Du coup, on en rajoute au niveau, hop, ici. Hop, est-ce que je peux baisser un petit peu s'il vous plaît, merci.
Ok. Ok. Bon, maintenant le rendre solide. Essayons de se faire un robot solide, c'est pas mal. Ça pourrait être pratique. Attendez, si j'essaye de faire juste une fois. Ah, c'est dommage. À un cube près. Et l'autre. Il m'aurait fallu deux fois le même en fait, c'est ça que tu es en train de me dire. D'accord, génial. Hop. Là, il me manque sans doute un cube de chaque côté, c'est génial. Ok. Alors ce qui est cool, c'est que avec la nouvelle mage, apparemment, ça va être assez badass hein, pour le reste. Alors, où sont mes... Elles ont disparu, les voilà, ça y est. Les voilà, hop, maintenant. Normalement, je suis à même de les mettre. Fais pas chier. Qu'est-ce qui va pas? Ça touche toujours! Merde! Hop! Normalement là ça touche plus! Alors où elles sont coulées déjà celles-là? Là! Hop! Voilà! Il est taillé en V littéralement! Hein. Toujours une coque de protection. Là où on en a tous besoin les garçons. Cependant on va essayer de mettre. Hop! Voilà, peut-être un petit peu moins loin, ça passe, voilà, une coque de protection parce qu'on en a tous besoin, ici, ça devrait suffire, ici, est-ce que par exemple je pourrais pas les mettre comme ça, passera pas, dommage, voilà, donc voilà, normalement techniquement il est solide là, par contre il nous manque deux tourelles du coup, où est-ce qu'on pourrait les placer? Hop. Ok. Ça me semble intéressant d'en mettre une là. Ah, je peux pas en mettre plus. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Et niveau peinture, qu'est-ce qu'on le fait? Qu'est-ce qu'on y fait celui-là? Parce que là il est tout blanc, tout, enfin tout noir, pardon. Ouais. Ça me plaît. Ça me plaît assez. Crac. Le tour complet. Crac. Là aussi. Hop. Voilà. Ça me semble pas mal.
Ok. Ouais, c'est pas trop mal ça. Hop. Ok. Non. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non plus. Ok, voilà. Bon, bah voilà, chers amis. Donc, on aura vu qu'il y a un pen-gun. Il y a de nou un nouveau système de construction de robots qui est pas forcément le système que j'aurais inventé, que j'aurais utilisé. Il y a autant de baies de robots jusqu'à 25, normalement pour l'instant, de disponibles. Du coup, on m'a demandé aussi de remettre mes robots en ligne. Upload robot. Description. Description. Marcus bonus playroom. Hop, voilà. Je l'upload. Et celui-ci, j'attendrai de faire nos preuves avec lui dans le prochain épisode pour pouvoir donc vous dire si je l'upload ou pas. Donc écoutez les amis, merci d'avoir regardé cet épisode de construction. Je sais que c'est ce genre d'épisode-là que vous cherchez un petit peu parce que ça change un petit peu des épisodes de combat. Dans le prochain épisode, on va faire un petit peu de combat avec ce robot. D'ailleurs, je vois qu'on a oublié certaines petites choses. Hop, par exemple ici, hop les... Donc voilà les amis, encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, je voulais changer la couleur des trucs bleus. Hop.